Salut tout le monde. Bon, je suis de retour là pour le glitch. Donner un véhicule à un ami, donc il est toujours fonctionnel. Je vous le représente vite fait. Donc, vous aurez le lien de la vidéo complète dans la description. Donc là, moi, je vais donner un véhicule. Bon, ils vont le faire eux. D'accord. Donc, il vous faudra un véhicule que vous donnez, un camion mobile pour celui qui veut le camion, qui veut le véhicule donné, et un ami à côté qui sera en PDG. Donc, vous aurez le camion. Vous mettez là comme ça avec la RH8. Il y a l'ami qui est passager qui va lancer une mission de PDG. D'accord ? Donc il va faire mission gros bonnet. Ok. Et le pilote il va attendre que la mission gros bonnet soit bien installée sur votre mini carte là à gauche. Donc là avec la mission gros bonnet comme ça. Dans le véhicule, hein, je vous dis, c'est le passager qui fait ça. Dès qu'il a bien lancé sa mission, il va falloir que le pilote fasse flèche de droite. Et si il va faire flèche de droite, il va me rejoindre dans les amis. Donc moi, je vais vite dans une activité Rockstar. Donc vous voyez, il faut attendre que la mission PDG soit faite. Et moi, maintenant, je vais dans la mission. Donc dans cette mission, on a trouvé des petits paramètres qui vont mieux pour réussir à chaque fois. Donc là, je vais confirmer les paramètres et je vais inviter mes amis en partie. Donc j'invite tout le monde. Donc là, moi, je suis prêt. Là, mon ami qui est au volant a fait flèche de droite et elle est en train de me rejoindre. Dès qu'elle a le premier message, après rejoindre session, elle aura un message. Elle me dit, vas-y, quitte. Donc là, moi, je quitte la mission. Elle attend un petit peu que je réapparaisse. Hop. Et elle va valider ces deux messages. Donc, le deuxième message, ils vont nous dire que la session n'existe plus. Donc une fois qu'elle a fait ça, elle va réapparaître ici. Donc il faudra pas apparaître dans les nuages ou voilà, il faudra apparaître directement au véhicule. Ça voudra dire que le bug il a marché. Là, elle va faire son pavé tactile comme moi. Donc pavé tactile, elle va mettre son menu. Elle va faire triangle, elle va pouvoir sortir du véhicule. Et elle ira jusqu'à mon camion ou jusqu'au véhicule que vous lui donnez. Elle ira avec ce menu. Une fois qu'elle est dedans, elle avance un peu, elle enlève le menu et hop, elle va être téléportée dans le garage de fonction mobile. Donc là, le véhicule il sera à elle. Moi, ils m'ont rendu le mien. Voilà. Elle n'aura plus qu'à ressortir ce véhicule et aller le mettre dans son garage d'où vient la RH8. Donc le glitch n'est pas plus dur. Changez de session à chaque fois que vous avez fait le glitch. Donc vous retournez sur une session pour amis. Voilà, là, on a fait une fois, on va changer de session direct. Cette session ne marchera plus. Ensuite, si vous fail, changez de session direct. Dès qu'il y a un petit bug, vous changez de session. Ça vous évitera de perdre du temps à réessayer pour rien. Donc je vous le répète, je vous remets la vidéo complète dans la description. Abonnez-vous les gars, partagez, faites-moi connaître un peu à tout le monde. Qu'on ait plus de visibilité pour tous les glitches qu'on vous sort. Voilà. Donc j'espère que vous allez en profiter. Je vais vous faire une vidéo pour les véhicules spéciaux. Donc ceux qui n'ont pas acheté les véhicules spéciaux, un ami pourra leur donner. Je vous fais cette vidéo pour ce soir. Voilà. Bon les gars, sur ce, bon glitch, amusez-vous bien. Pensez à aller voir le braquage. Donc vous avez le braquage en illimité avec l'hélicoptère où il y a les motos. Allez voir cette vidéo. C'est l'after patch du braquage. Voilà, donc vous voyez là, il a le dune. Il va aller le mettre dans son garage. Et voilà. Petit glitch, bien. Bon, sur ce, les gars, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à bientôt. Ciao.